Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Exilas Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 sur Marvel Avengers sur PS4. Vous êtes prêts? C'est parti. La dernière fois, on s'était introduit dans la base de l'AIM et on venait de se retrouver avec Kamala. Et là, on doit aller chercher Hulk parce qu'il est tombé dans une sorte de trou, je sais pas quoi. Donc, on va essayer de le trouver. Des nouveaux équipements. Alors j'ai plein de nouveaux équipements je crois, donc on va aller récupérer ça tout de suite. Mais attendez, j'ai vu un, voilà, j'ai vu une caisse ici, on va en profiter. Voilà. Ah bah attendez, il y en a encore un peu ici. Nickel. Et maintenant on va pouvoir changer d'équipement. Oui, ok. Voilà. Alors les équipements, on a ici un niveau 3, ce qui est pas mal. Ici on a un niveau 5, c'est pas mal du tout. Là non, on a rien, et là on a rien non plus. Ok, j'ai assez de ressources pour améliorer ça, donc je vais le faire. Voilà, comme ça c'est fait. Il est niveau 6 maintenant, je sais pas si c'est bien, mais on va dire que oui. J'ai vu d'autres ressources là, donc on va les utiliser. Est-ce que j'ai besoin de soins? Je pense pas, parce que je viens de démarrer le jeu, donc logiquement je suis à fond. Effectivement, ah il y a encore une caisse là, j'ai failli la rater. Faut pas les rater les caisses, parce que elles donnent vraiment beaucoup beaucoup d'équipements certaines. Celle-là pas beaucoup pour le coup malheureusement, mais c'est un peu dommage. Ok, allez, saute. Oh, j'ai failli tomber, mais tout va bien. Ici, oh, il y a encore une caisse là-haut. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Transfert. Oh, il y a des robots, ça y est. Ok, on va... Je vais récupérer la caisse, si j'ai le temps, je pense que oui. Tout va bien. Salut, si on s'asseyait pour discuter un peu. Allez, c'est le dernier. Boum. Let's go. Au revoir. Bon, j'avoue que c'était un peu compliqué, j'ai pas mal galéré. Ah bah non, c'est pas fini. Ok. C'est bon. Et voilà, cette fois c'est bon, c'est fini. Pour de vrai maintenant. Je suppose que je dois utiliser les interrupteurs pour activer le courant. Quels interrupteurs? Ok, les interrupteurs, ils étaient ici. Qu'on va actionner. Voilà. Ah, super. Oh là là. Tiens, prends une petite main dans la tronche. Toi aussi. Et on va en profiter, vous aussi, les gars. Et voilà. Équipement. Ah, j'ai encore de l'équipement. Ok, je peux mettre de la défense. Ça, c'est cool. Et là, je peux... Ah, là, je peux mettre aussi ça. Équipement héroïque, c'est cool. Ok, il reste normalement un dernier interrupteur qui doit se trouver de l'autre côté. Voilà, par là-bas. Et il doit être logiquement ici. C'est ça, voilà. C'est celui-là. Allez, active ça. Voilà. Donc, je vous rappelle, le but, c'était de trouver Jarvis, bien sûr. Il faut que j'accède aux archives. Et voilà, c'est bon. Ça y est, la porte est enfin ouverte, on peut y aller normalement. Nickel. La porte devrait s'ouvrir maintenant. Voilà. J'espère que t'es là, Jarvis. Qui se cache peut-être dans cette pile d'équipements super cool des Avengers. Allez, Kamala, il faut que je trouve un indice. Ok, ça c'est quoi? Je crois que ça appartenait à Thor. C'est peut-être un levier secret? Oh, non, juste une chope. D'accord. Bah, elle rêve un peu trop, je pense. Ici, y a rien d'autre. Non, y a rien d'autre. J'aimerais bien tomber dessus, mais on va dire en dernier pour voir ce que c'est. On peut exposer de la pyrite quand on peut se payer ce qu'il y a de mieux. Faut que je continue de chercher. Ok, c'est pas ça. Peut-être là-dedans. Si c'est ça, par contre, j'ai pas tellement envie. Ah, on peut pousser. D'accord. Ah, c'est une caisse d'équipement, ça. Ouais, c'est ça, c'est une caisse d'équipement. Hé, bracelet. On ira voir ça plus tard. Le Mark 1. Est-ce qu'il comptait repasser prendre tout ça un jour? C'est des prototypes, ça, non? C'est des prototypes de la tenue de Stark. On est en train de chercher Jarvis. Je pense qu'on va le trouver dans cette salle. Qui pourrait nous dire où est Tony. Ce serait bien. Comme ça, après, bam. Tony Stark, il revient avec nous. Et après, ce sera cool. Parce que du coup, on va pouvoir après... enfin, arrêter Dr. Tarleton. Ça, je pousse aussi. Il faut le pousser. C'est une autre caisse d'équipement? Ah non. Pour Tony, stylé. La part de Pepper. Je sais que c'est pas le moment, mais c'est carrément génial! La guitare de Tony Stark! Ouais, comme tu dis. Ça, c'est le bouclier de Cap. Avec, normalement, quand il a frappé le bouclier de Cap. Il était exposé au Heyday. Ah, il y a encore une caisse d'équipement, là, c'est cool. Voilà.
on a plein d'équipements. Faudra qu'on aille regarder ça encore après. Oh, il y en a encore une là. C'est bien. Ok, je sens que c'est ça, Jarvis. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y aura peut-être encore des caisses d'équipement. Stark Industries. Oh non, j'ai... Ça y est, j'ai trouvé Jarvis. Mais j'y voulais pas. Je suis deg. Regardez-moi cette classe. Enfin, en tout cas, il y a une cinématique, donc j'espère que je pourrai revenir. Oh, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui, à mon avis. Ah, bah, ça y est, on l'a trouvé. Ça y est, on l'a trouvé. Service. On a trouvé Jarvis. Maintenant, bon, bah par contre, malheureusement, j'espère que je vais pouvoir rester 2 secondes dans la salle. Ah bah non. Qu'est-ce que tu as là, vermine? Oh, abomination. Et si tu me donnais ce que tu tiens? Ouais, il fait flipper. J'adore ce personnage dans l'univers Marvel. Très décevant. Vas-y Hulk. Ça c'est son grand ennemi. Allez Hulk. Il est de retour du coup, il est pas mort. Ça a pas l'air d'aller très fort. Ok, c'est parti pour le combat. Je suis déjà mort une fois, j'avoue. Parce que je trouve ça très très dur. Ok, pour l'instant je vais sauter. Non. De sa culpabilité. Voilà ce que je veux. Ok, c'est très chaud, j'avoue. Il est vachement fort. Ok, j'arrive plutôt à m'en sortir pour l'instant, je trouve. C'est loin d'être terminé. Ok, j'esquive pour l'instant. Je saute pas mal aussi parce que c'est très très compliqué. Ok, wow. Tu peux pas te débarrasser de Banner et l'accepter. Ok, je vais prendre du soin s'il en reste. Ok, coup de grâce. Peut-être pas un singe. Waouh. C'est très très dur. C'est très 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 dur. J'ai trouvé le plan des archives. Je devrais pouvoir te rejoindre. Qu'elle se joigne à nous. Toi, est-ce que tu sens ça? C'est ici que j'ai évolué. Allez, prends tes dégâts. J'essaye de lui faire prendre beaucoup de dégâts d'un coup, même si je perds de la vie. Allez. Oh, j'ai essayé d'esquiver, mais... C'est très 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 dur. Allez, boum. Capacité spéciale. Oh, je l'ai explosé. Oh, je vais mourir. Ok, je vais récupérer le soin là-bas. Monica est un chien. Je n'ai jamais ressenti autant de puissance. Allez, il est bientôt mort, faut en profiter. Let's go. Allez, prends tes dégâts, coup de grâce. Ça y est. Yes.
C'était méga dur, hein. Allez, Hulk! Oh là là! Oh la violence! Et il se relève en plus encore, hein. Purée, ses pieds qu'il a! Ah bah, Hulk, c'est Hulk, hein. Faut pas provoquer Hulk, hein. J'avoue que le combat était assez chaud en vrai. Est-ce qu'il est mort? Où est-ce qu'on est là au fait? Bon, toute seule. Il a pas envie quoi, c'est normal. Ok. Montre-moi tes secrets. Sujet 705. D'après notre scientifique en chef, nous avons réussi la rétro-ingénierie du Térigène. Même. Attendez, s'il vous plaît. Du calme. Dans un moment, tout sera fini. Administrez le remède. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous lui faites mal! C'est ça le remède? C'est les tuer? Pitié. Pitié, s'il vous plaît, arrêtez. Où est-ce que je suis? Le résultat est prometteur. Le sujet 705 a très remarquablement récupéré et sera surveillé les prochaines 24 heures. Félicitations. Vous êtes guéri? Quoi, mais c'est impossible. Il faut qu'on sorte d'ici. C'est trop dangereux. Ouais. Bien sûr. C'est bizarre, hein? Je trouve ça très bizarre qu'il s'en sorte, le mec, comme ça. Bon, bah, si tu veux... Tu peux rendre l'endroit un peu plus... douillet. Douillet. Gents, quoi. Et... C'est quoi, c'est une chambre? Ça va? J'ai pas l'habitude de te voir aussi calme. Oui, c'est rien. Ok. Ok. Bon, bah... Ok. Ok. Et si c'était vrai? Ok. Ok. Pardon, tu disais? Le remède. Si c'était vrai, enfin... Ça a l'air d'être vrai, mais... Si je pouvais redevenir normal... Eh ben, tu sais... Mais elle est bien comme elle est. Ça marche pas comme ça. Elle est... C'est une super-héroïne. Tu les as bien vues, non? Ça a l'air de faire très mal, mais... Peut-être que ça vaut le coup. Kamala. Je m'étais jamais intégrée avant. C'est vrai, j'admirais tellement les super-héros et... Je me disais que si... Si je pouvais gagner ce concours d'écriture de fanfiction, je sais pas, tout serait peut-être plus... Ah, peu importe. Regarde-moi. Je suis un monstre. Mais non, t'es... Une super-héroïne. Je vois pas autre chose. Tu as vu ce que tu as fait? Hé? Faut être très courageux pour faire ça. C'était stupide. Mais très courageux. Et... peu de gens en seraient capables, tu sais. Le bien, c'est pas ce qu'on est. Hein? Non, c'est rien. Merci. Cette pièce est très bien. D'accord. Où elle le sera. D'accord. Oui.
Elle est plutôt... chouette. Ouais, merci. Ok, j'ai des choses à faire. Merci. Ok. C'est gênant de ouf quand il parle. Hein. Mais j'espère qu'elle va prendre Kamala, confiance. C'était pas gênant du tout. Mais maintenant, j'ai ma propre chambre dans le chien. Les gars. Je crois rêver. Mais c'est ouf. Je viens de le lire. C'était pas gênant du tout. Je viens de le lire. Hein. Exactement pareil. C'est ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Éteins ça. C'est mieux. On peut pas éteindre la musique plutôt? Je sais que c'est ma faute, je viens de la mettre, mais bon. Ok, j'avoue que c'est un peu bizarre en fait cet endroit. Ça va être, je pense, sa chambre. Il y a beaucoup de trucs en fait. Je pense qu'ils utilisaient cet endroit comme entrepôt. Bah ouais, mais bon après c'est bizarre quand même parce qu'il y a beaucoup de choses alors que ça doit être juste normalement une chambre. C'est très étonnant. La vue devait être superbe quand cet engin volait. Bah... peut-être que Monsieur Stark peut encore le réparer. Bah c'est... oui, mais d'abord faut le retrouver. D'abord il faut aller chercher où est-ce que... Allez, c'est parti. C'est le temps d'oublier qu'il m'a vu pleurer. Let's go. Oh, il y a une caisse déjà, ça commence. Je vais visiter un petit peu cet endroit qui a l'air plutôt pas mal. Oh ouais, il y a la chambre de Tony Stark là, et on n'a pas le droit d'y passer si on n'est pas Tony Stark, ce qui est ma foi plutôt logique, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant. Il n'y a pas de caisse par ici, en fait je cherche des caisses d'équipement pour essayer d'en avoir beaucoup, ah là il y en a, pour après avoir beaucoup d'équipement, du moins j'espère qu'il y en a beaucoup dans le chimère quoi, enfin là, parce que là on peut quand même se balader dans une petite zone qui a l'air plutôt cool. Il y a beaucoup d'espace, donc il doit y avoir des trucs cachés un peu partout, je pense. Donc on va regarder un peu. Il faudrait faire pousser des herbes ici. Du basilic, du thym, peut-être de l'origan. Tu croyais que c'était quoi, une cuisine? Ok, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la visite du chimère la prochaine fois. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like. Abonne-toi pour ne rien manquer. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.